Stop. Arrêtez tout. Lâchez tout. Arrêtez de jouer au football. C'est plus possible. On avait interdiction de perdre cette rencontre. C'était interdit. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu cette rencontre. C'est plus possible. On avait l'occasion de conforter notre deuxième place, de revenir à 2 points du PSG, de s'envoler vers la Ligue des Champions, de gagner le match qui va peut-être être décisif au niveau des points, au niveau du classement en fin de saison. Bah là, il va être décisif, mais dans le mauvais sens. On perd 3 points importants. On perd notre deuxième place. On va d'abord faire un rappel des compositions officielles. Donc Lens a mis Brice Samba au but, Przemysław Frankowski, Gradit, Danso, Medina, Machado, Onana, Fofana, Fulgini, Sotoka et Openda. Sur le banc, Leka, Bourra, Buxa, Claude Maurice, Le Cardinal, Aïdara, Pereira da Costa, Poreba et Thomasson. Côté OM, on a comme absent Harit Onaï, qui sont blessés de longue durée, Eric Bailly, qui est malade, qui n'était pas apte, qu'il était en tribune. Et en risque de suspension, on avait Ruslan Malinovski. Dans notre copeau, on avait Paulo Lopez, Kolasinac, Gigot, Chancel Mbemba, Nuno Tavares, Veretout, Rongier, Klaus, Malinovski, Under et Sanchez. Première mi-temps, j'en avais fait une vidéo. Première mi-temps où je vous posais la question, est-ce que sur le fait qu'on est mené, c'est dû au football? On a eu des occasions et des occasions. Enfin, on a eu des occasions, mais en fait, c'était une première période équilibrée. L'intensité était là, la tension était là. Il y avait plein de choses dans ce match. On s'est régalé au niveau du football. Au niveau de l'OM, c'était vraiment pas nullissime. C'est l'OM a essayé de faire son match. Mais on a fait face à des Lensois hyper costauds, hyper concentrés, hyper pressants, qui veut aller chercher la Ligue des Champions. Qui, je répète, je vous l'annonce, Lens est officiellement européen. Donc peu importe à quelle place ils finiront de toute façon dans le top 5, et que ça soit la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ils joueront l'Europe la saison prochaine. Donc soit la deuxième place, qualificative directement en Ligue des Champions, troisième place par les tours préliminaires, quatrième place l'Europa League, cinquième place la Conference League. Donc Lens est officiellement européen. Lens, sur tout le match, en tout cas sur la première période, a fait son match. A été intense, nous a pressé, nous a chamboulé et a fait son match. Et méritait de mener à la mi-temps 1-0. Pour notre côté, cette défaite, elle va faire très mal. Déjà, on risque d'avoir mal au crâne pendant 2 jours à cause de vous. Mais surtout, sportivement, c'est plus possible. C'était le match, quand on a eu le calendrier de notre Ligue 1, on avait ce match-là la 34e journée. C'était un match à ne pas perdre. On aurait pu conforter, distancer Lens et Monaco. On aurait pu être quasiment acté de finir deuxième. On aurait pu revenir à 2 points du PSG et potentiellement être leader le week-end prochain en cas de défaite du PSG demain à 3. Et on a tout lâché. Maintenant, stop. On arrête tout, on parle plus. Je respecte mon club. Je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Je les supporterai jusqu'à mon dernier souffle. Il y a des moments où on va être bon, il y a des moments où on va être moins bon, là, il y a des moments où on va être dégueulasse, où on va tenir bon, mais le football change. Mais là, c'est plus possible. Si à la fin de la saison, on n'est pas deuxième, ça sera un gros échec. Là, je me sentais capable de sauter au plafond. Je sentais capable l'OM de s'imposer ce soir à Bollaert, de mettre un coup de pression à tout le monde, de faire taire les critiques et d'aller chercher le titre en fin de saison. Je le sentais, là je sentais un sursaut d'orgueil des Marseillais et je sentais ça allait être un rude combat avec Lens et on avait un rude combat encore ce soir, mais je sentais que l'OM pouvait chercher quelque chose en fin de saison. Bah, malheureusement, c'est pas le cas et là on a lâché notre opportunité d'être deuxième. Donc je vais vous annoncer quand même la composition officielle. Paulo Lopez, Kolasinac, Gigot, Chancel, Tavares, Veretout, Rongier, Klaus, Ruslan Malinovski, Under, Sanchez.
Gigot est sorti sur blessure en première mi-temps, encore touché au même endroit où il s'était blessé à Clermont. On n'en sait pas plus, on verra bien quand Igor Tudor se fera interviewer, on verra bien quand l'OM communiquera. Mes tops et mes flops. Paulo Lopez, ben, il a été bon, mais il s'est pris des buts, il s'en est pris deux. Kolasinac, je l'ai vu concentré en première mi-temps, comme le reste de l'équipe. En première mi-temps, ça ressemblait à du football. C'était équilibré, c'était intense, c'était fermé, on voyait vraiment un rude combat. Donc en première mi-temps, on voyait vraiment un rude combat, on voyait vraiment du football. C'était fermé, il y avait des occasions, il y avait des gestes techniques, mais le football a changé la chose et on était mené 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Seko Fofana. Donc à la mi-temps, on était mené. J'étais très furieux, je vous ai fait un débrief mi-temps. J'étais très furieux, je disais, même si le football a changé, que le football, ça fait du coup qu'on était mené 1-0 à la mi-temps, malgré le bon match de football qu'on a vu et le bon match équilibré, malgré que c'était un petit peu fermé. Mais on lance avait certes plus d'occasions, mais nous, on en avait aussi. Donc on méritait tous les deux de mener. Mais le plus qui méritait de mener, c'était l'OM. Donc on était mené 1-0 à la mi-temps. Moi, j'ai trouvé bon sur cette première mi-temps Mbemba, Gigot avant sa blessure. La première mi-temps, je ne vais pas dire mes tops et mes flops, je ne vais pas les dire d'ailleurs, mais il y a quelques joueurs qui ont été bons. Alors Tavares, c'est fini. Tavares, je voulais qu'on lui laisse sa chance ce soir, aux côtés de Clauss, pour essayer de reformer le piston qui avait bien marché en début de saison. Là, c'est mort. Il peut partir. Moi, j'en veux plus. Kolasinac, il était sérieux. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué et moins bon, mais en première mi-temps, il était sérieux. Pareil pour Gigot, pareil pour Mbemba. Mais on voyait que les pistons, ça marchait pas avec Clauss et Tavares. Ça marchait en début de saison, mais là, ça marche plus. Donc Tavares, c'est fini. Il peut jouer quelques petites minutes, mais la saison prochaine, on n'en veut plus. Celui qu'on veut, c'est Issa Kabore. Issa Kabore qui va repartir à City en fin de saison et que l'OM va essayer de l'acheter moins cher pendant l'intersaison pour la saison prochaine. Moi, je veux qu'on le conserve. Les deux pistons qui peuvent fonctionner, c'est Clauss et Kabore. C'est tout. Veretout a été bon, a été sérieux, a tenté des occasions, de même pour Rongier et Under et Sanchez. La moitié de l'équipe a été bon en première mi-temps. Parce qu'on a vu un match équilibré, un match sérieux, mais le football a changé les choses et on était mené. J'étais très furieux, je disais on ne devait pas perdre ce match. Donc mes deux seuls flops, pardon, c'est Tavares qui était pas bon du tout sur tout le match et Malinowski qui était pas bon du tout, qui attendait beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps c'était un désastre. Tudor, ben moi je te dis, Tudor, je commençais à te respecter. Je commençais à te dire, ça y est, c'est un bon coach, il va nous emmener vers le haut, il va essayer de nous faire gravir des échelons, et nous gravir des objectifs. Il va essayer une grande chose et un grand avenir à l'OM. Bah là, je veux ton départ. Je veux que l'OM se bouge. Je veux qu'on Longoria, qui était comme ça en tribune, qui voit l'OM galérer, je veux que Longoria communique et que Longoria dégage tout le monde. Qui garde les meilleurs cadres, les meilleurs atouts qui peuvent encore faire grandir l'OM. Mais Igor Tudor, avec tout le respect que je te dois, certes la saison n'est pas encore terminée, mais ce match ne devait pas être. On ne devait pas perdre. C'était interdit. La défaite était interdite. C'est inadmissible qu'on porte ce maillot, qu'on porte ce logo, que c'est un match crucial qui peut être décisif pour la fin de saison, en victoire ou en défaite. On devait gagner ce match. Donc stop maintenant. J'ai juste envie de chanter mouillez le maillot, où cassez-vous? Mouillez le maillot, où cassez-vous? Voilà. Certes, vous avez été sérieux en première mi-temps, vous avez tenu bon, vous avez eu du mal parce que Lens était costaud, Lens était encore plus costaud en deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était un désastre. La défense était au trou, était à la rue. On aurait pu perdre 3-4-0 parce qu'il y avait à chaque fois des trous avec les attaques en folie d'Openda, Fofana et Sotoka. Donc la défense était à l'ouest.
on a complètement laissé de côté la deuxième mi-temps. Alors moi je dis bravo à Payet, qui essaye de, j'espère qu'il satisfera Tudor et qu'il jouera plus. Et si Tudor reste la saison prochaine, si Payet reste la saison prochaine, qu'il jouera plus. Parce qu'il a marqué ce soir, on aurait pu arracher le nul. Et donc je serais moins énervé, malgré notre match en demi-teinte. Mais ce match, on ne devait pas le perdre. C'était interdit. Là, je vais avoir du mal à dormir parce que je me dis, si on gagnait, on était quasiment en Ligue des Champions. Là, je suis content et je félicite Lens qui se dirige tout droit vers la Ligue des Champions depuis très longtemps. Je leur dis bravo, vous méritez largement votre victoire, avec tout le respect que je vous dois. Mais pour l'OM, c'était interdit. C'est inadmissible et lamentable qu'on perde ce match. Stop maintenant. Là, il faut réagir. Si on n'est pas deuxième en fin de saison, je veux le départ de Tudor. Et ça serait un gros échec si on s'incline. Merde, d'accord?